Le président de la République a profité de son séjour dans l'Empire du Milieu pour visiter plusieurs entreprises à la recherche de potentiels partenariats. Parmi ces dernières, le groupe Nari a retenu l'attention du chef de l'exécutif gabonais en ce sens qu'il propose des solutions innovantes et intelligentes pour la distribution de l'énergie. Une potentielle issue au problème de délestage dans lequel le pays est plongé depuis plusieurs mois. Nous sommes effectivement confrontés à une difficulté particulière dans le Grand Libreville, avec tous les délestages que nous connaissons pour multiples raisons. Et le chef de l'État a profité de cette visite en Chine pour visiter cette usine, ce grand groupe qui propose un certain nombre de solutions. Nous avons juste fait la visite. Des équipes techniques vont revenir pour faire le point et rechercher des solutions urgentes à mettre en œuvre pour que nous puissions surmonter les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Mais le transport et la distribution de cette énergie constituent, selon les experts, le principal nœud du problème des délestages. Aujourd'hui au Gabon, l'hydraulique fournit encore 75% des besoins en énergie électrique et permettrait également d'approfondir une réponse définitive au problème de délestage en cours.